verset 1 et puis dans verset 8. The gospel according to John, chapter 15, verse 1 to 8. John 15, verse 1 to 8. Vous l'avez fait. De l'évangile n'a pas tombé. Amen. Ça, c'est bon, mais c'est pas d'aller. Bon, de l'évangile ou non. Même si la vérité n'est pas. Amen. Amen. On nous lit ensemble pour me continuer. Une version anglaise, français, espagnol, créole, on a pris ensemble. Ah ouais? Il va faire quelque chose. On a pris ensemble. On nous passe. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout ça, l'homme qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche, et puis ça en porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ne demeurez en moi, et je ne me remets en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché à celle, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le seul, vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le servant et il sèche. Puis on ramasse les servants, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Merci à soi. Que le Seigneur bénisse vos paroles et que notre équipe n'en prenne à point l'étude que nous besoin pour nous grandir dans la parole au nom de Jésus. Le texte, vous voyez, comme il est là, nous avons considéré verset 8, qui c'est une conséquence de l'enseignement sage de Jésus, les bâillis à Dieu. Verset 8 là, c'est conséquence à partir de verset 1er. Verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6 et verset 7. Et ces 8-là, les bâillent en conséquence spirituelle attachée à l'image du chérisien que Jésus prend. On a un chérisien qui est attaché à lui. L'important que chaque chrétien nous songe. Appel que nous recevons de Jésus pour nous venir dans l'univers évangélique. Lui, c'est un appel qui fait de nous disciples de Jésus. Ça veut dire nous avons marché avec Jésus. Nous avons suivi Jésus. C'est un mot qui est plus favorable que Jésus utilisait pour lui parler à Sinaï qui reçoit appel de Dieu. Il parlait presque une seule fois, il est si que nous sommes en moi. Peut-être une ou deux fois, il est le frère. Mais le parler avec lui, il surtout dit nous sommes disciples. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, mon disciple, il répétait 263 fois. 263 fois. Et dans quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, seulement, Moïse a répété 235 fois. Donc, reste fois, il disait environ 132 fois répété dans les épîtres. Qui donc l'évangile
Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont parlé de Jésus, c'est la présentation de Jésus. Jésus utilisait Moussa pour Moussa. Comme ça, t'as l'esprit. Qui ça disciple? Ça disciple. Élève. Disciple dit, élève. Par le Nouveau Testament, il écrit un verbe. Et Moussa, effectivement, le verbe, il veut dire élève, étudiant. Mouka, apprend. Et original, Moua, sorti dans le disciple, ça c'est la même, il veut dire élève, apprenant. Li sorti directement dans la racine et ouais, qui voulait établir une relation qui existait entre ton professeur ou bien ton maître ou bien ton philosophe à cela qui soumet à l'enseignement que la Bible dit ton professeur, ton maître ou bien ton philosophe. Ton disciple pas seulement contenté à lui. Pour lui marcher derrière, mais ils ont dit c'est pas seulement contenter lui, pour lui garder sa méthode, pour lui suivre enseignement que méthode. Mais on dit c'est surtout cela qui a imité maître. Et non seulement lui a imité maître, lui voulait photocopier la vie, mais là, dans la ville. Jusqu'à ce que lui adopte votre vie que mettre la guerre pour le vivre à chaque fois. Et ce qui fait que chaque fois où tu as eu un côté, le palais, il faut dire où c'est disciple tel maître, où c'est élève tel philosophe. Pour qui ça? Parce que lui copie, lui photocopie l'image mettre là dans la ville, qui vient faire que lui parle même gens avec lui, lui acte même gens avec lui. Lui agit, même Jean appelle lui, lui marcher, même Jean appelle lui, parce que là, copier. Est-ce que l'église a tout bien? Amen, amen. Et c'est là que Jésus dit, relais, apôtre, 12 yeux, 17 yeux, et ils ont marché derrière lui. Et c'était ça, effectivement, même Jean payé dans l'histoire pays, dans la culture là. Jésus est un rabbin, Jésus c'est un maître, Jésus son professeur. Non seulement marcher derrière, n'a imité, n'a pas le même temps avec lui, et donc ça le fait. Pour le rappeler. À tel point que, même si Pierre dit, il n'est pas disciple Jésus, comme on dit, il ne faut pas aller à Caïn. Amen, amen. Il ne faut pas aller à Caïn, parce que, ou parler, le gabel qui dit, lycée professeur, lycée. Amen, amen, amen. Et donc, les disciples, en tout cas, pour bien ce que je avec vous, c'est un vrai disciple. Un disciple, un disciple, un disciple. Mais je vais ça, je vais me mettre à l'équipe. Où sont les disciples? Vous savez, je vais mettre un disciple, je vais tellement de métal, tellement de ma philosophie, l'autre va vous dire du bon. Ouais, l'autre va aller, je vous parler de bon. Mais ça, parce que. Photocopie. Donc, faut parler, leur parler, faut parler de moi. Vous voyez que Jésus, que je vais dire, c'est moi qui relève. On dit si Jésus, je connais que c'est Jésus qui relève. Jésus-Christ expliquait ça dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, que nous sommes gardés dans les essais là que nous parlons. Ce n'est pas vous. Il m'avait choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous demandez au Père qui est là. C'est Jésus, c'est Jésus que l'aime. C'est pour Dieu que l'aime. Et par l'hypothèse. Et si ce n'est pas au côté où fini, c'est réveillon ou gagner pour répondre. Amen. Appel. Vous avez plus de pour faire que répondre. Appel. Maintenant, et Jésus a ajouté pour le dire que dans Jean chapitre 6, verset 65, vous avez plus, vous avez dit la caille,
Je vais mettre un sous portable et m'appeler pour. Dans Jean 6, verset 65, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Encore une fois, si ou là, vous souhaitez que vous te recevoir ton appel et vous répondez à l'appel. L'évangile a été salué à faire seul par le Seigneur. Et dans même fondation de l'église, dans l'expansion de l'église, là, dans les actes chapitre 2, il dit encore, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Encore une fois, les maillots qui sont dans l'église, là, c'est un Dieu qui a ajouté et bien ajouté par rapport à ce que c'était sauvé. Il va faire, il y a un bagage qui dit que vous considérez tout à fait bien vous sauver, est-ce que vous sauvez maintenant? Est-ce qu'on sauve maintenant? Si vous comprenez qu'on sauve des petits problèmes, est-ce qu'on sauve maintenant? Faut convaincre de ça. Si vous convaincre que c'est pas problème, si vous convaincre que c'est pas problème, non. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce que vous donnez des messages à ce moment-là. Amen. Le disciple, c'est Christ qui est là. Et il est pour le répondre à l'appel. Le disciple a répondu. Amen. Le disciple a. Tout ce qu'il a dans le monde, nous soif, nous évitons ce problème à gauche à droite, nous t'apprenons qui sa solution. Et puis nous t'entendons nous qui venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et que vous donnerez du repos. Et au même temps, fait, non, vous êtes déjà soif. Après, non, moi qui t'avais mouru, le temps derrière là. Il courait fini du point de Jésus et Jésus sauvait pour répondre à l'appel parce que gain aux promesses faites sous soif, va, par où, ou bon, ou va jouer de l'eau pour elle, et si vous avez un va manger, et merde, le bagage spirituel, et si vous chauffez partout ailleurs, venez jouer moi, va soulager. Ça, c'est une promesse qui mène au vin. Tu es là. L'église, là, l'église pour mission pour l'aller de toutes les nations, mais des. Il n'y a pas les exemples là. Mais des. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Merci, mon frère. Matthieu chapitre 28, verset 20. Aller de toutes les nations, mais des. L'église, là, il y a une commission. Et l'Église a été commissionnée pour aller faire disciples. L'Église là a été commissionnée pour la recruter des membres d'Église, mais l'Église a commissionné pour aller faire disciples. L'Église là a recevoir mission pour la recruter des membres d'Église. L'Église là a commissionné pour la faire disciples et non tellement d'église. Mais l'église, je dis, il y a content pour recruter membre l'église et non faire des disciples pour Jésus-Christ. Et bien l'église locale, il y a capable en pile monde, mais il n'y a pas de disciples de Jésus-Christ. Alors, dans l'église, nous avons un membre, nous avons un membre qui est disciple de Jésus-Christ. L'église là, capable de remplir avec membres, mais il n'y a pas disciples de Jésus. Et mission de l'église là, c'est pour faire tout pour qu'ils pensent qu'ils ont entré dans mon organisation pour qu'ils ont des disciples de Jésus-Christ. Comment différence entre membres à disciples? Comment différence entre membres de l'église à disciples de Jésus-Christ? Au membre de l'église, tout le monde qui les doit à deux fois. On va les dire, c'est un monde qui paye et paye au fond. Il est non la carré, il est présent pour lui. On va les dire, il répond à l'obligation administrative. Ça, c'est un mot d'église. Il a un numéro de téléphone, il a un adresse, il a un email, il a besoin de donner. On va les dire, il servit comme volontaire. L'église a besoin de volonté.
dans l'église. Ça, c'est un membre d'église. Mais un disciple, c'est différent. Un disciple, pas venir chercher droit à devoir. Un disciple, c'est quoi? Appel de Jésus. Et puisque la suivre Jésus, Jésus-Christ te dit, lui, si la qui pique dans le monde, c'est serviteur du monde. Et comme Jésus-Christ qui pique dans le monde, c'est serviteur du monde. Et moi-même, tout moi, c'est serviteur. Donc, un disciple est un serviteur. Mais on manque l'église par un serviteur. On disciple son serviteur. Mais on manque l'église par un serviteur. On disciple pas payé. Disciple pas payé au frère. Le disciple donne la vie. Amen. Le disciple donne des offrandes. Amen. L'on paye, on donne en retour. Mais l'on baille, on va donner. Amen. On donne l'église, l'épaule à une obligation administrative. Mais le disciple, il recevra de mettre. Ça le doit faire. Amen. Tout ma vie. Il y a même l'église. Il est toujours on va me frustrer. On va me fâcher. On va me donner des problèmes. On va me raconter. Mais un disciple a le dire à humilité que mec dans ses mains. Amen. Amen. Membre de l'église, puisque en plus là dans nos CD, membres de la forêt, nous inculquons ça l'église a besoin pour aider. Pas nécessairement ça nous que ce que nous discutons. C'est ça qui fait. L'église, là, a parlé de perdu membership. What about losing my membership? You lose your membership if you don't pay. If you are a disciple, you cannot lose your membership. Right. Because you are a disciple de Jésus-Christ, ou fait ça pour que vous faites. Et l'église là connaît que le monde qui a aussi disciple de Jésus-Christ. C'est ça que c'est sous enseignant les visages. Ok. C'est les amis qu'on va dire. Et comme on a suivi Jésus-Christ, moi, je voulais sembler à mettre moi, mais à m'en témoin pour me renoncer à tout. Et non, renoncer, moi, renoncer à tout bagaille, moi, suis instruction, mettre moi, moi, donner moi-même, moi, bailler moi-même. Parce que ce n'est pas 10% de ça me vient pour mon Dieu, c'est tout ça me vient pour mon Dieu. Amen. 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 On m'a dit l'église, c'est 10% dans sa vie pour dire que tout le monde est tout le monde est venu, tout le monde est plein, tout le monde est venu, tout le monde est venu, tout le monde est venu, mais un disciple, c'est pas 10% pour dire c'est tout sa vie. Alors, l'église servit pour dire à tout sa vie. Machine, c'est pour dire que Kaïwe, c'est pour dire que tout ça me possède, ça me connaît, c'est pour dire que mais au moins, pas tout ça qu'on est capable qu'il a parce que vous payez cherchons vous payez pour parler de l'église mais un disciple connaît que la vie là d'ailleurs on disciple pas dit la parler l'église là on disciple dit à gauche amen ma parler l'église là c'est ma parler l'église là ma adorer le Seigneur amen l'église à sale vous payez dit de la relation que nous payons pour là. Mais si c'est un tissé, je connais que depuis que tu es pour ça, si nous ne pouvons pas ok, nous avons toujours payé, mais si nous avons temps pour ça, moi j'ai des machines zèbre là, moi j'ai fait zèbre là, et nous avons fait zèbre là parce que ma foi, Dieu m'a adoré le Seigneur. On meuble l'église pour faire un bon roulis de machine. Mais un disciple pas bon roulis. Adorer le Seigneur à sa loi. Et que aucun problème pour lui, moi là pour moi servir. Amen. On donne l'église, l'église doit aller mieux voir. Elle baille à temps en retour. Mais il ne s'est pas prendre dans mes personnes en retour. Parce que lui là pour servir.
C'est la Bible qui dit, moi je viens pour me servir. Amen. Et donc pour être servi, c'est pas nous qui nous servons. C'est moi qui nous servons. Amen. Donc c'est comme l'église. Ou même j'ai organisation. Toute organisation qui existe. Vous servez comme volonté. Mais l'église n'a pas besoin de volonté. L'église a besoin de servir. Amen. Et l'église a pas besoin de faire appel à volonté. Parce que vous êtes en disciple. Et puis, il est nécessité comme serveur. Amen. Comme serveur. Il y a des prononcés dans la petite loi pour vous sembler avec. Tout ça qui toi, Jésus, où était dans moi, tout ça qui toi, dans le cœur, pour ne pas marcher. Donc, on t'a chanté avec dit, Jésus, où est-il dans moi, tout ça qui a fait membre de l'église, même avec membre parti politique, même avec membre organisation, même avec membre communautaire. Nous estimons tout ça qui toi. Nous t'as dit ici. Nous t'as servi. Disciple à quoi l'attacher. Avec lui. La vie, la mener. Semble dévouer à sa mère. C'est qu'il est arrogance. On n'aura pas une sous-chère. Est-ce que ça se produit? Ou bien son chef d'organisation. On est capable de sous-chef, car n'importe qui est capable de sous extra. Mais quand son chef d'organisation, on est opé, capable. Mais il n'a pas aussi envie de dire, est-ce que je me pose cette question? Si c'est ici Jésus, moi c'est ici Jésus, ça veut dire que je me suis, mais moi, chaque bagage me fait, est-ce que je me dis, est-ce que moi je fais comme ça? Parce que, est-ce que moi je peux sembler maintenant? Puisque vous voulez faire exactement ça, mettre moi faire. Puisque vous voulez attacher à l'enseignement, mettre moi. Le agent sûr qui savent, est-ce que vous là, non, place, c'est lui qui va là. À chaque fois, nous parlons de ça, mais là, à faire. Nous place, nous, nous cessons d'être un disciple. Le disciple, lui-même, comme elle est. Et ça, Christ l'a imprégné dans la vie du disciple. Lui, il va ici, un package qui fait autour de lui. Pour un chant de servir, pour un chant de frère, pour un chant de hier, la parole de Dieu, il est à l'offre. Et Jésus-Christ m'a dit que, écoutez, si vous saisissez moi, Jésus vous parle de lui. Bien, on dit, il faut que lui, à bout de quoi, il dit pour ça, et que les visages sont comme